Bonsoir à tous et bienvenue sur le grand plateau de Marius. Ce soir, nous accueillons pour vous une invitée qui incarne l'espoir et l'ambition. Une personnalité qui inspire non seulement les acteurs politiques, mais aussi les femmes et les jeunes filles à travers toute la République démocratique du Congo. Candidate à l'élection présidentielle, un modèle de persévérance et d'engagement, elle a su transcender les barrières traditionnelles dans un domaine dominé par les hommes, portant avec elle les aspirations de nombreuses Congolaises. Son parcours dans le rôle des directions dans les secteurs privés et finalement à la politique témoigne d'une détermination sans faille et d'une vision claire. Ce soir, nous allons découvrir de plus près sa vision pour la République démocratique du Congo renouvelée et ses plans pour transformer notre société et la manière dont elle aspire à être un phare d'inspiration pour les générations futures. Mesdames et messieurs, avec une profonde admiration, nous accueillons pour vous la candidate numéro 9 aux élections présidentielles de décembre prochain, Madame Marie-Josée Ifoku. Madame Marie-Josée Ifoku, bonsoir. Bonsoir, cher Marius. Je rappelle à ceux qui nous suivent que vous avez été la seule candidate aux élections présidentielles de 2018. Vous avez notamment occupé des postes de gouverneur, ça je ne savais pas, de la province de Choapa entre 2016 et 2017. Et vous avez également été vice-gouverneur de la même province. Alors, vous êtes la présidente de l'Alliance des élites pour un Congo nouveau, ANC. Un nouveau Congo, ANC. Oui. Vous dites que si vous êtes élu, vous promettez une gouvernance renouvelée, basée sur des principes républicains et une rupture avec le système existant. Alors, la toute première question, on vous a posé cette question des milliers de fois. Mm-hmm. Pourquoi, madame, voulez-vous devenir présidente de la RDC? Parce que je pense que j'ai les capacités de venir avec cette nouvelle offre politique que je suis en train de faire au peuple congolais. Et je pense sincèrement que je vais surprendre le peuple congolais, que c'est une question de bonne volonté, de bonne foi. Regardant un peu la situation dans laquelle vivent mes confrères et consoeurs, j'ai réfléchi et j'ai tenu compte de d'où nous venons en tant que Congolais et où nous sommes rendus aujourd'hui. J'ai une offre à faire au peuple congolais, donc une proposition d'un nouveau contrat social. Et j'ai foi que c'est une solution qui peut apporter, qui peut répondre aux préoccupations du peuple congolais. Alors, parlez-nous de votre vision. C'est quoi cette proposition? Qu'est-ce que vous voulez concrètement faire? En fait, Je l'explique aussi simplement que ça. Oui. En fait, j'ai vécu à l'extérieur il y a longtemps. Je suis rentré au Congo. Je suis entré dans les églises ici à prier. J'ai une relation personnelle avec Dieu. J'ai vécu une petite expérience personnelle qui m'a profité. Et c'est ainsi que je me suis dit, ben, si ça a marché avec moi, ça peut marcher avec les Congolais. Et c'est comme ça que je me suis basé sur ce modèle-là chrétien. C'est ça la vérité, elle est toute simple. Les chrétiens ont connu une première naissance à travers Adam et Ève, et c'est après, à travers Christ, qu'ils peuvent naître de nouveau. Et j'ai fait le parallélisme. J'ai dit, les Congolais ont connu une première naissance en tant qu'État. Depuis le 1er juillet 1885, nous sommes devenus État indépendant du Congo. Et c'est pas nous qui avons donné naissance à cet État-là, ce sont des étrangers à l'issue de la conférence de Berlin. Mais malheureusement, c'est un état d'esprit de prédation qui a donné naissance à cet État-là congolais. Et malgré l'indépendance, en 1960, nous nous sommes rendus compte que cet état d'esprit de prédation s'est perpétué à travers nos dirigeants jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ça qui empêche le pays de prendre un véritable envol. Alors nous, nous disons, il y a eu un premier État, il y a eu une première République en 1960. En 1967, alors que Mobutu venait de faire un coup d'État en 65, il fait naître la Deuxième République. Et la Troisième République naît en 2006 avec Joseph Kabila. Et nous savons tous très bien que c'est une constitution pour calmer les ardeurs des belligérants. Et entre deux, il y a eu des transitions. C'est ainsi que moi, je viens avec une nouvelle proposition, avec un nouveau contrat social que je propose au peuple congolais. Tous ces États, toutes ces républiques qui sont nées, ou ces transitions, sont nées pour l'intérêt d'un groupe d'hommes. Moi, je propose qu'on aille à quelque chose de neuf, à quelque chose de nouveau. Allons vers une nouvelle république, pas comme les trois autres républiques qui viennent de passer, mais une république qui sera faite par des Congolais pour des Congolais. Donc en me choisissant, moi, le numéro 9, le Congolais se donne une chance de faire une révolution, pas dans la rue, mais mentale,
d'abord en choisissant une femme qui est Marie-Josée Ifoku. Donc le Congolais brise cette tradition-là où la femme ne peut pas diriger. Et deux, le Congolais fait une révolution tout simplement parce qu'en allant au pouvoir, je fais tomber la Constitution. Je fais tomber la Constitution, j'ai un acte constitutionnel que je propose au peuple congolais, comme les autres transitions que nous avons connues. Je propose cet acte constitutionnel et avec ça, je peux diriger le pays pendant ce mandat-là qui m'a été offert. Et nous préparons ensemble, à travers la conscientisation, la sensibilisation, l'éducation, une nouvelle République. Au moins cette fois-ci, les Congolais pourront participer à la naissance de cette République à travers une nouvelle constitution. Donc voilà cette offre audacieuse que nous sommes en train de faire au peuple congolais. Au lieu d'aller dans un coup d'État comme on voit militaire ailleurs, parce que je ne pense pas que c'est une solution pour moi, mais c'est un coup d'État civil, mais fait à travers les élections, en choisissant Marie-Josée Ifoku. C'est une grande révolution que le peuple congolais aura fait, et en même temps, ce sera libéré. Alors, c'est ambitieux, c'est énorme, c'est, je veux dire, presque irréaliste. Pourquoi ? Parce que vous comptez tout raser quand vous arrivez au pouvoir et recommencer à zéro. Mobutu ne l'a pas fait. Kabila père ne l'a pas fait. Et lorsque Joseph a pris le pouvoir, est-ce qu'il avait le droit de prendre le pouvoir? La Constitution lui permettait de devenir président de la République? Ils l'ont fait. Alors quand vous dites que c'est quasiment impossible, pourquoi? Ils l'ont fait, mais sans tenir compte du peuple congolais. Moi, je viens le proposer ouvertement, ce n'est pas un secret. Je le propose au peuple congolais, on peut le faire. Qu'est-ce qui nous empêcherait de le faire? C'est un choix, juste me choisir, on le fait ensemble. Pourquoi alors, ça serait impossible? Alors, essayons d'être concrets. Vous arrivez... Allez, après les élections du 23 décembre, vous devenez président de la République. Et la Constitution actuelle que vous critiquez, elle devient quoi? Vous faites quoi? Enfin, qu'est-ce qui se passe? C'est ça que je comprends pas. Ben moi, la question que je vous repose, quand Mobutu a pris le pouvoir en 1960, qu'est-ce qui s'est passé? C'était un coup d'État. Quand Kabila est venu, il a fait tomber la Constitution, la Deuxième République, et qu'il a proposé un acte constitutionnel pour nous gérer. Quand nous voyons Sainte-City en 2003... on a été encore géré à travers une transition qui a été faite 1 plus 4. C'est le seul pays où on a vu une présidence avec 4 vice-présidents juste pour calmer les ardeurs des belligérants. Mais là, il faut calmer aussi les ardeurs du peuple congolais. Le Congolais souffre, le Congolais meurt de faim. Qui va calmer ce Congolais-là? Alors pourquoi est-ce que ça serait impossible? C'est une proposition audacieuse que je fais au peuple congolais. C'est comme ce que les autres ont fait, mais sauf qu'eux l'ont fait pour un intérêt d'un groupe de gens, mais moi, je demande qu'on le fasse ensemble. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est fait en cachette où je vais surprendre le Congolais. Si le Congolais accepte de m'élire, ça veut dire qu'il a accepté ma proposition. Donc, où est le problème? J'ai un acte constitutionnel. Au moment opportun, je vous ai dit, je vais le présenter devant tous. Mais au moment opportun, c'est quand? C'est maintenant que vous devez le présenter? Je voudrais m'assurer que la CENI est prête, parce que veut pas, il y a quelque chose qui ne va pas non plus. On en parlera. Oui, je voudrais m'assurer que la CENI est prête pour pouvoir sortir mon joker. C'est un joker pour moi. C'est un joker, mais non, les gens qui vous suivent. Ils croient en vous, ils veulent croire en vous. Bien sûr. Ils veulent être sûrs que l'offre politique que vous apportez, c'est ce à quoi ils aspirent. Je ne pensais pas que c'est le moment justement de nous dire, allez, donnez-nous un petit exemple. Vous faites comment? Moi, je suis un peu confus. Vous faites comment quand vous devenez président de la République? Vous dites, mesdames et messieurs, à partir d'aujourd'hui, la Constitution tombe à l'eau. Non, je le dis déjà avant. Je viens de vous dire que nous attendons de voir un peu la CENI, si elle va vraiment organiser ses élections, parce que clairement, elle ne semble pas être prête. Elle a donné ses raisons, qu'elle a commencé avec 28 mois de retard. OK, il n'y a pas de souci. Nous comprenons, mais nous demandons à la CENI, est-ce qu'elle est prête? Si elle est prête et que je m'assure qu'elle est prête, alors je mets sur la table cet acte constitutionnel que je vais proposer au peuple congolais. Il n'y a rien de difficile. Voyez les images d'un coup d'État qui se fait normalement. Sauf que là, ce n'est pas un coup d'État militaire. C'est une proposition que je fais au peuple congolais. Et donc, cet acte constitutionnel que je vais lire déjà en avance, avant que je ne passe au pouvoir, et je les préviens, si vous me choisissez moi, c'est sous cet acte constitutionnel que je vais prêter serment. Où est le problème? C'est ce qui a toujours été fait. Hormis 1960, lorsqu'il y a eu cette première république, c'est la seule république légale et légitime, la seule. Tout le reste qui ont suivi, il y a toujours eu un souci. On le dit légal, je fais comme ça, et puis ils ne sont jamais légitimes ceux qui arrivent au pouvoir. Donc c'est ainsi que moi j'ai dit au peuple congolais, faisons-le ensemble, ne laissons pas un groupe de gens le faire, parce qu'en le faisant avec moi, je ne suis pas candidate de mon parti politique.
Parce que je n'ai pas voulu mettre cela en exergue, puisque 900 partis politiques, je crois que nous sommes le seul pays au monde à avoir 900 partis politiques. Donc vous voyez clairement qu'il y a un souci. J'ai dit tout le temps que la politique est devenue la plus grande industrie du Congo, ce qui n'est pas normal, vous comprenez? Donc voilà, c'est aussi simple que ça, comme un coup d'État, mais c'est, sauf que celui-là, c'est un coup d'État avec le peuple congolais qui accepte à travers l'acte constitutionnel que je vais lui lire, et il va comprendre qu'arriver au pouvoir, c'est ce que maman va nous sortir, et on va être dirigé pendant ces 5 ans-là avec ces 7 actes constitutionnels, et nous aurons plusieurs commissions pour nous aider à préparer la nouvelle constitution. Ça ne sera pas une constitution faite sur mesure pour Marie-Josée Ifoku, ça sera une constitution préparée par des Congolais de toutes les classes. Donc les femmes, la jeunesse, les chefs coutumiers qui ont un grand rôle à jouer, d'ailleurs pour nous, ce sont nos parents, et les scientifiques, la classe politique aussi, la société civile, il y aura tous les représentants du peuple congolais. Ainsi, le peuple congolais pourra se retrouver véritablement, parce que cette fois-ci, ça ne sera pas une constitution pour un groupe d'individus, mais ça sera une constitution congolaise qui tient compte d'où nous venons, notre histoire, où nous sommes rendus aujourd'hui et où nous voulons emmener ce Congo. Qu'est-ce que vous reprochez, madame, à l'actuelle constitution ? Je vous ai dit, d'abord, en commençant tout simplement par l'état d'esprit avec lequel ça a été fait. C'est le même état d'esprit de quand nous sommes nés états indépendants du Congo. C'est de la prédation derrière tout ça. On a voulu calmer les ardeurs des belligérants. C'est ça que je reproche. D'abord, quand vous faites quelque chose, qu'est-ce qu'il y a derrière cet état d'esprit-là ? Vous voyez tous, nous sommes en train de violer cette constitution-là. Qui la respecte vraiment ? Moi, j'ai été gouverneur, vous l'avez dit tout à l'heure, non ? J'ai été gouverneur en province. Et cette constitution nous parle de la décentralisation, qui n'est pas une mauvaise idée. Je suis pour la décentralisation. Il faut décentraliser parce que le pays est énorme, c'est quasiment un continent. Donc je suis pour cela. Mais l'état d'esprit qui a donné naissance à cette constitution n'est pas dans un état d'esprit de décentralisation. L'état d'esprit est centraliser le pouvoir. J'ai été gouverneur, mais tous les mots d'ordre doivent venir de Kinshasa. Donc même lorsque vous devez faire... J'avais donné un exemple, j'ai eu un fonds pour pouvoir lancer des travaux en province. Nous sommes une province pauvre aujourd'hui, alors que nous étions une des plus grandes provinces, une province très très riche à l'époque de la colonie d'ailleurs. Et les gens de fond ne le savent pas que la Gécamine est née des ressources financières de la des plantations de la Tchouapa. Donc c'est pour vous dire que c'est pour vous dire que c'était une grande province où l'agriculture avait une place extraordinaire. Mais voilà, je parle de cette constitution où on parle de la décentralisation. Mais moi j'ai été gouverneur et je peux vous dire que tous les mots d'ordre doivent venir toujours de Kinshasa. Et comment voulez-vous parler de décentralisation ? Vous recevez un petit montant ridicule pour faire des travaux, vous recevez des coups de fil de tout le monde pour savoir qu'est-ce que vous allez faire, mais en quoi ça vous regarde ? Là, j'ai l'Assemblée provinciale qui me contrôle, c'est pas vous qui me contrôlez. Mm-hmm. Mais je vous assure qu'il y a des conséquences graves qui s'en suivent. Donc, de quelle décentralisation nous parlons ? Alors, juste pour vous dire que la Constitution n'est pas respectée, c'est superficiel. D'accord. Alors, les Congolais qui voudraient vous donner la chance de les diriger, vous voudrez également savoir, vous avez eu des postes de fonction publique, notamment gouverneur d'une province. Si on peut vous demander ce que vous avez accompli en tant que gouverneur avant qu'on vous donne les responsabilités de la présidence de la République, qu'est-ce que vous voulez nous dire ? Je suis arrivé en province à la Tchouapa en 2015. C'était d'abord un district, donc il fallait quand même une passation de pouvoir avec ceux qui étaient là auparavant. Nous n'avons trouvé personne. Déjà pour vous dire, c'est un État, il y a eu des gens qui ont géré cet État quand il était district, mais il n'y a pas eu de passation, il ne s'est rien passé, on a trouvé les divisions qui étaient en place, on a essayé de faire un état des lieux, mais comme je vous dis, un état des lieux, quelqu'un qui prend un stylo, un bic comme vous l'avez, chacun écrit ce qu'il veut, et il vient te remettre ça sans un autre document, sans un soubassement, pour démontrer tout ce qu'il a écrit là. Donc ça ne valait absolument rien. Donc autant d'années, depuis 1960, en passant par Mobutu, Kabila, et on est à Kabila Joseph, c'était à cette époque-là, comment ça se fait qu'il n'y a rien ? Qu'est-ce qui se passait dans cette province-là ? Donc nous avons dû tout recommencer à zéro. Donc déjà pour vous dire que l'État en province veut dire tracasserie, c'est ce que je dis pour la population. La population ne sait même pas que l'État a des devoirs. Et mais vous avez fait quoi, madame ? Ben, c'est que moi j'ai fait quand je suis arrivé en province. D'abord, je n'étais pas à la tête. Je n'ai fait qu'une année à la tête de la province. J'étais commissaire spécial adjointe et puis vice-gouverneur. Et quand le gouverneur est tombé, j'ai assumé l'intérim pendant une année. C'est très peu pour une province aussi pauvre. Je vous ai dit tout à l'heure que j'ai été chercher de fonds et j'ai ramené de fonds du FONER pour pouvoir lancer des travaux à la province. On avait une érosion qui séparait la ville et j'ai lancé ces travaux. Et j'ai couvert les travaux à 95%. Pendant que j'étais là, j'ai appris que nous avons des engins lourds qui se trouvaient à Ingendé, donc à 300 et quelques kilomètres de Bouindé.
Et ce sont des engins lourds de l'office de route. Je dis, mais qu'est-ce que ça fait là-bas? Mais ça a abandonné là-bas, ça faisait 2 ans, 3 ans. J'ai pris un bateau de fortune, vraiment une aventure extraordinaire. Je me suis rendu jusqu'à cet endroit-là. Effectivement, j'ai trouvé des engins neufs, des engins qui coûtent des millions de dollars, abandonnés. Il y en avait au moins 45 pour chaque district. Et pourquoi c'est abandonné? Ben, ils n'avaient plus le moyen de les acheminer jusqu'à Bouindé. Nous nous sommes battus, et une fois même avec nos propres moyens, pour acheminer au moins 11 engins en province. Je peux vous dire que c'était la grande fête ce jour-là. On aurait dû vous donner les images, ça serait une bonne chose. C'était la grande fête parce que c'était depuis 1975 ou 80 que les gens de la Tuapa n'avaient jamais vu de tels engins. Donc il y a eu de l'espoir pour ce peuple-là. On a commencé à lancer les routes pour permettre aux agriculteurs de pouvoir évacuer leurs biens. C'est vrai qu'on n'avait pas encore les transports pour leur faciliter la tâche, mais au moins on a commencé à faire des travaux par rapport aux routes de desserte agricole pour qu'ils puissent évacuer leurs travaux. On a refait aussi, au niveau de l'infrastructure, nous avons fait des travaux pour réhabiter les maisons de l'époque coloniale. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer, les maisons qui étaient là de l'État. Vous l'avez fait avec... Oui, je l'ai fait, oui. Ouais. La maison, ma résidence officielle était devenue un musée. La population venait visiter juste parce que j'ai mis de la peinture, j'ai fait des carreaux, j'ai refait ma salle de bain, un climatiseur. Les gens venaient visiter, j'ai refait mon jardin. Alors ils ont dit, c'est une honte, c'est que je vais vous dire, « Mindele Bazongi ». Vous voyez, c'est honteux. Et mais voilà, c'était une année tout simplement. Nous l'avons fait, nous avons eu à voter notre premier budget. C'est la première fois le budget de la province. C'était avec moi à la tête de cette province-là. Nous avons eu à réparer des ponts qui étaient cassés, des ponts qui nous conduisaient vers Kisangani. C'était un pont important. Il y a eu détournement au niveau de la division santé. Et la personne qui avait détourné a surchargé le camion. Le pont s'est cassé. Et voilà, la population souffrait pour traverser ce pont-là. Et on l'a fait avec nos fonds propres. Quand le gouverneur est tombé, il avait un salaire de 19 000 dollars. À l'époque, c'est 19 millions. Moi, j'avais 15 millions. J'étais déjà pas d'accord avec tout ça. Dès qu'il est tombé, un Congolais classique peut-être serait passé à 19 millions parce que je gérais seul. Non, j'ai descendu mon salaire à 5 millions de francs. Et ça, c'est prouvé, c'est là. Personne ne me l'a... Mais parce que je trouvais... Déjà, je ne trouvais pas normal qu'on ait 19 millions. Enfin, qu'il ait 19 millions et moi 15 millions. À deux, on avait quasiment 20% du budget de la province. Ce n'était pas normal, je lui avais dit. Et il me dit, on n'est pas dans le privé ici, madame. Donc, bref, par bon sens, en tant que maire, je n'ai pas commencé à garder tout cet argent pour moi. Je trouvais que c'était ridicule. J'ai passé mon salaire à 5 millions de francs et ça nous a permis... les autres aussi, les autres ministres qui étaient là... Ça nous a permis de faire quelques travaux, justement, les réparations de pots, parce que la Tuapa est remplie de cours d'eau. Et donc, pour les habitants de la Tuapa, c'est vraiment une souffrance réelle que de traverser ces rivières-là. Donc, on a commencé à faire des réparations de pots. Et pour ça, donc, vous demandez la main des vous demandez aux Congolais de diriger notre pays. Et nous allons, nous sommes descendus dans la rue pour demander aux Congolais ce qu'ils pensent. Si demain la RDC avait une présidente à la tête du pays, nous ont répondu, on va vous proposer ce reportage. Regardez. Le fait qu'elle ait le courage d'abord de postuler, ça prouve que c'est une femme combattante. Elle a postulé, quand même la fois passée n'avait pas réussi. Et cette fois-ci, elle rentre encore avec les ambitions, le courage. Et cela prouve réellement qu'elle a des ambitions et c'est une femme battante, elle est forte. Donc, elle compte faire quelque chose comme plus dans cette République démocratique du Congo. Espérer une femme à la tête du pouvoir, c'est aussi évident, ce n'est pas mauvais, mais le problème est que les Congolais, en général, ne sont pas vraiment partants. Mais moi, personnellement, je rêve cela. Bon, je peux aussi encourager, parce que ce qui est plus important, ce n'est pas de voir une femme ou un homme à la tête du pays, mais c'est plus les idéaux de la personne. Moi, c'est un maman, oh, c'est un moté, maman, néné. Moi, ça, c'est maman à Boti, maman à Botaka, à Zakamote, maman. Donc, ils sont tous mes canons, bientôt habités. Les gens ont du cas, c'est malam. Mais ce qu'il faut, moi, c'est qu'on passe à la. À ça, et tout le monde a ma ramounine à ça, là. À ça, l'importance, c'est la moka, à ça, la nini, pour la. Pour mon nez, dans la bamidi, la poto, pour nos oies pouvoir, aux dirigeants, il faut battre ça, là. Parcours, on a eu ma ramounine au ça, là. Vous avez l'importance, 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 vous avez
tout le monde peut payer monsieur pas monde parce que je gère un peu de temps dans les bombes, peut-être dans les calmes. C'est pas des gars, mais balles, calmes. Tu peux se faire un peu de maman peine en Gwende, mais balles peine à si ma maman, je peux s'aider ma yéle, je financer ma jeune, je vais financer ma jeune, je vais encourager ma jeune. Et là, tu peux se faire un peu de maman. Mais, en tant que comme je dis, on y a un ministre dans mon coin. Baza presque mini au travail comme que aza moi aussi na église pasteur abasi ba komi bazo te ya mibali pourquoi pas que asa la paix président mboko ako travail comment ako sala eh ala droit paix ko sala ako kama pe population pe. Voilà madame, vous avez vu ce que les Congolais pensent d'une femme à la tête du pays, ça vous fait quoi? Ça me fait plaisir. J'ai vu plutôt des réactions plus positives que négatives. Donc, quelque part, ça montre clairement que le Congolais est prêt à un changement. Et ce changement-là, c'est la femme qui peut l'apporter. J'y crois, j'ai foi, c'est pourquoi je me suis levée, quoi. Alors, en 2018, quand vous étiez la seule femme candidate présidente de la République, après que vous avez échoué aux élections, on vous a senti quand même soutenir l'actuel président de la République, Félix Tshisekedi. Qu'est-ce qui a changé depuis pour que vous vous dites « je veux le remplacer » ? Mais je dis toujours qu'en 2018, le combat, c'était faire tomber un homme et aller à une bonne gouvernance. C'était ça notre combat. On a fait tomber, mais la gouvernance est un peu quand même boiteuse. On doit le reconnaître. Je crois qu'on suit tout le temps dans les médias un peu tous ces détournements, plusieurs millions de dollars. Franchement, c'est gênant, quoi. C'est gênant parce qu'on aurait apprécié que ces hommes soient arrêtés, tous ces gens qui détournent les deniers publics puissent être arrêtés. Mais on n'a pas ressenti, il y en a qui ont été arrêtés, il y en a qui sont ressortis. Donc un jeu de yo-yo qui met mal à l'aise. Oui, moi j'étais contente, je n'ai pas honte de l'avoir appuyé, parce que nous voulons un changement, nous parlons de la rupture du système de prédation. Et pour nous, c'était une forme de transition, son mandat, parce que ça devait nous emmener à quelque chose de neuf. Il y a eu un changement de régime, mais il fallait la rupture du système. Parce qu'on était en plein prédation, comme je vous ai expliqué, mais on l'a pas ressenti. Et c'est un peu dommage que de s'entourer de personnes qui ne vous aident pas à mettre en place votre vision. Je trouve ça dommage. Alors comme ce n'était pas ça que j'espérais, ce n'était pas ça le rêve que j'avais, donc je me suis dit j'ai eu le droit de l'accompagner parce qu'il fallait un changement. Mais maintenant qu'on va encore aux élections et que je vois que j'ai une vision qui n'a pas été vraiment complétée par celui qui était là, pourquoi ne pas retourner dans la course ? Voilà pourquoi je suis retourné dans la course. Et vous parlez de la combolisation de la RDC. Combo, ouais. Qui veut dire combo ? Le balai. De la RDC, ça veut dire quoi, madame ? En fait, la combolisation, c'est un concept, c'est un idéal, c'est une idéologie, parce que je pense que pour diriger, un parti doit avoir un idéal. Et voilà pourquoi nous sommes présidentes d'un parti politique, parce que je n'ai pas trop ressenti qu'il y avait un idéal. Je sens que dans le combat politique, chez nous, c'est plus que ce que j'appelle le muscle, donc le pouvoir pour le pouvoir. Et donc c'est important quand même d'avoir un idéal, parce que c'est pas un combat, on n'est pas des ennemis. C'est l'adversité, mais au niveau d'une idéologie, on ne doit pas se haïr. Il ne faut pas qu'on en arrive aux mains, jusqu'à des morts. Je trouve ça un peu dommage, parce que c'est juste un combat d'idées. Et donc nous avons ce concept-là de la combolisation, justement parce que j'ai dit la rupture du système de prédation qui a vu le jour de que nous sommes nés État par la combolisation pour la renaissance de la RDC. Donc nous disons pour rompre avec ce système, il faut passer par la combolisation pour donner naissance à la République. En résumé, c'est résumé en 7 points. Les 4 premiers points, ça parle du Congolais. Les 2 points qui suivent, ça parle de l'État. Et le dernier, ça donne naissance. Juste pour vous dire que pour aller à une nouvelle république, vous m'avez posé d'ailleurs la question tout à l'heure, j'ai dit on a connu 3 républiques. Pour que nous ayons une nouvelle république et une république différente, nous devons avoir le nouveau Congolais d'abord. Donc il faut restaurer le Congolais. Il faut reconstruire le Congolais. Le Congolais a été détruit. Avant même qu'on soit été indépendant du Congo, il y avait déjà l'esclavagisme. Et on pensait que ce qui était arrivé là le 1er juillet, c'était combattre l'esclavagisme. Ce n'était pas le cas. Donc le Congolais a été détruit, abusé, violé, humilié. Il a perdu,
Il a perdu de sa personnalité, il a perdu de sa superbe, il a tout perdu, le Congolais. Et donc nous, nous disons, il faut reconstruire ce Congolais-là. C'est ça la congolisation, par une prise de conscience. Donc le premier point, c'est une prise de conscience. Donc il faut qu'on commence à se nettoyer nous-mêmes, à comprendre que c'est pas les autres qui vont nous construire. C'est pas les autres le problème, c'est nous-mêmes le problème. Parce qu'aujourd'hui, nous avons, ce sont les Congolais qui dirigent depuis 1960. Mais est-ce que c'est différent de ce qui s'est passé avant? Même ce qui s'est passé avant semblait être mieux organisé que nous-mêmes aujourd'hui. Donc bref, les quatre premiers points, c'est vraiment la prise de conscience, le renouvellement du Congolais soi-même d'abord, et ensuite on le fait au niveau général. Donc une conscience générale, où on essaie de sensibiliser, de conscientiser le Congolais pour qu'ils comprennent que le problème, c'est nous. Arrêtons de pointer du doigt les autres. Le troisième point, nous parlons de la réconciliation nationale, parce que bon, ce qui s'est passé, c'est passé. Il y a des choses qu'on ne saura pas réparer. Ce n'est qu'à travers le pardon qu'on peut y arriver. Et donc, retournons unis ensemble pour être une véritable nation. Et le quatrième point, c'est justement, nous devenons ce balai-là fort, unis. Il y a des grands, il y a des petits, il y en a qui sont plus épaisses. Mais ensemble, nous devenons une nation et nous devenons une force. Et nous pouvons aller nettoyer maintenant l'État. C'est ainsi que je parle de, une fois que le Congolais est reconstruit, il peut maintenant aller donner naissance à une nouvelle république parce que aujourd'hui, maintenant, il aura la maturité, il sera responsable. Il comprendra qu'aller gérer l'État, c'est pas une affaire personnelle, c'est une affaire de tous, c'est un oubli de soi. Moi, je dis toujours que gérer l'État, c'est un apostolat, quoi. Il faut s'oublier, c'est pour l'intérêt de tous. Alors voilà, c'est un peu ça la congolisation. Mais quand vous parlez de l'homme congolais doit être au centre du tout, c'est pas la première fois qu'on entend ce slogan de la part des politiques. Mais moi, c'est pas un slogan. Le président l'a dit. C'est quoi la différence entre ce que lui a dit et ce que vous vous dites? Ben, il est aux affaires. Là, moi, j'ai pas encore été aux affaires. J'ai été aux affaires à la Choapa. J'ai démontré de quoi j'étais capable. J'ai dit, j'étais jusqu'à descendre mon salaire parce que il fallait aider le Congolais. Et remettre le Congolais au centre de tout, pour moi, ça passe par l'éducation. L'éducation classique de nos enfants, hein, c'est un droit, c'est un devoir, il faut qu'ils aillent à l'école. Mais c'est un programme aussi qu'on va adapter, qu'on va changer, où nous allons remettre aussi notre culture en exergue. J'ai toujours dit, première année primaire, on maîtrise au moins une langue nationale. Deuxième année, quand on a fini l'école secondaire, on maîtrise au moins deux langues nationales déjà, pour vous dire. On va remettre toute l'histoire, tout va être retourné à l'ordre, mais on s'arrête pas là. Le programme que nous allons donner à nos enfants, nous allons tenir compte de nos richesses. On est un scandale, là. On est un scandale dans tout. Mais c'est ce qu'on nous dit toujours. Mais justement, alors, remettons ça dans le programme. Moi, je suis plus dans le discours, là. Je suis dans des faits que je vous dis. Dans notre programme, on remet tout ça. Donc, on va avoir un programme où on n'aura pas que des juristes, des économistes, des... Non, pas le programme classique. On a besoin d'ingénieurs. Vous avez vu toutes les richesses qu'on a? Donc, on a la terre, on a l'eau, on a l'air. Hein, nous sommes le poumon, mais les deuxièmes poumons du monde. Madame, donc, si vous adaptons dites ça, notre programme. Si vous dites ça, oui. C'est quelque chose que... Tout le monde dit. Ah, j'ai pas entendu. Tout le monde dit, oui. On va améliorer l'éducation, oui. On va... Tous ceux qui aspirent à la fonction de la présidence de la République, partout dans le monde, ils le disent. On a l'impression à la fin que c'est que des discours. Parce qu'une fois arrivés au pouvoir, les gens, ils ne font pas ce qu'ils ont dit. C'est pour ça que je dis, moi, je viens avec un programme qui est clair et concret. Donc, je viens d'abord avec une vision qui est claire. Qu'est-ce que je vous dis, la congolisation oui, allez-y. Allez-y. Donc, en remettant le Congolais au centre, je ne sais pas, moi, je ne l'ai pas entendu. Vous me dites que vous l'avez entendu. Peut-être que vous pourriez me donner des exemples des gens qui ont remis le Congolais au centre et dans leur programme, on l'a ressenti. Puisque j'ai dit, même les adultes, il n'y aura pas que le programme classique de nos enfants. Il y a aussi dans l'après-midi, parce que nos hôtels sont vides, nous allons utiliser ces infrastructures-là pour permettre aux parents de se remettre à niveau. Qui puisse retourner à l'école, un programme professionnel, les métiers. Au Congo, il n'y a plus de métiers. Tout le monde se débrouille. Tout le monde est dans du à peu près. Est-ce qu'il y a des boulangers au Congo? Est-ce qu'il y a des véritables carrelleurs? Est-ce qu'il y a des maçons qui ont été à l'école? Il y a quelques programmes qui sont là, qui existent, mais des gens qui imprennent avec un diplôme. Tout le monde ouvre des salons de coiffure. Est-ce que c'est normal qu'on ouvre un salon de coiffure sans un diplôme? On a besoin de se coiffer, hein. Oui, mais il faut un diplôme. C'est pas que tu te réveilles un matin, tu deviens coiffeur. Non. Ça demande un diplôme pour être coiffeur. Donc, ce sont toutes ces choses-là que nous devons mettre dans l'ordre. Gérer un pays, c'est pas une blague, c'est pas un jeu. Ce sont des textes légaux qui existent et la différence justement avec le privé, c'est ce que j'ai, quand je suis arrivé aux affaires, moi j'ai évolué essentiellement dans le privé. Mais dans la gestion de la chose publique, on doit se reposer sur les textes légaux. Donc sans texte, sans respect de ce texte, nous ne sommes pas un État. Ça veut dire que les cinq années quand vous arrivez, donc ça va être la refondation de la RDC, ça va être... tout va être rasé et puis on va recommencer à tout à zéro à partir des textes que vous allez nous amener et puis tout,
tout doit recommencer à partir des textes que vous allez apporter. Oui. La RDC va s'arrêter. C'est pas que la RDC s'arrête. Je veux dire, prenez l'image quand Kabila est entré. Ouais. Kabila Nzé, Laurent Désiré Kabila. Est-ce que la RDC s'est arrêtée? Non, elle s'est pas arrêtée. Mais on vient avec un nouveau document, OK? Et nous disons que nous nous basons sur ce document-là pour tout ce qui est textes légaux et nous allons travailler à partir de là. Mais il y a des institutions qui existent, mais nous nous disons qu'il y a des institutions qui vont tomber automatiquement. Je parle toujours des assemblées provinciales, elles servent à quoi ? Aujourd'hui, dans ce contexte-là, où le peuple n'a pas été préparé pour ce genre d'institution-là. On a décentralisé, pourquoi ? C'est pour rapprocher les dirigeants de la population. Mais ce n'est pas ce que le peuple ressent. Qu'est-ce que nous entendons en province ? Tout le temps, les guéguerres entre l'Assemblée provinciale et le gouvernorat. C'est tout ce que nous entendons. Aucun programme de développement, mais c'est tout le temps des guéguerres entre les deux. Donc la population n'a même pas compris qu'on a rapproché le pouvoir d'eux pour mieux les gérer. Vous voyez, ce n'est pas ça le cas. Mmh. Et donc nous, nous disons ce genre d'institution budgétivore qui ne servent à rien, prenons cet argent-là et investissons dans nos jeunes qui ont des projets. Et nous pouvons leur faciliter la tâche pour qu'ils puissent réaliser ces projets-là. Donc il y a des institutions qui tombent automatiquement, qui ne servent à rien. Et nous allons créer des nouvelles aussi pour pouvoir nous faciliter la tâche et être concrets par rapport à la vie actuelle. Je vous ai suivi dans vos différentes interventions à la télé. Vous parlez souvent, vous vantez les réalisations de la colonisation. Ça vous inspire, la colonisation ? Mais c'est pas que ça m'inspire. Je suis quelqu'un qui a les deux pieds sur terre. C'est une honte pour moi. Comment voulez-vous que je dise que ça m'inspire? Je vous explique d'abord comment nous sommes nés États indépendants du Congo. Et je les prends en exemple. Pourquoi? Parce que les gens que nous avons combattus, parce que nous étions des esclaves, et nous avons mené un combat. En 1959, il y a des gens qui sont morts. Mon père m'a raconté ça. Il était militaire à cette époque-là. Il m'a raconté comment ça s'est passé. Et il y a des Congolais qui sont morts. Mon père a été arrêté parce qu'on lui avait demandé de tirer sur des Congolais, de battre. Il a refusé. J'ai tiré ça de mon papa. Il a refusé, il a fait la prison, mon père, parce qu'il avait refusé de tirer sur les Congolais à cette époque-là. Donc il y a des Congolais qui sont morts. Ça a été un combat, vous comprenez? Et maintenant, nous-mêmes, nous prenons le pouvoir. Nous sommes pires que les colons. C'est pour ça, c'est une honte. Quand je donne cet exemple-là, c'est pour dire aux Congolais, ceux-là qui étaient des colons pour nous, mais semblaient mieux gérer notre État que nous-mêmes. J'ai dit toujours, on avait plus de 150 000 km de route. Aujourd'hui, on en a combien, cher Marius? 10, 20 000 km peut-être? Quelle honte depuis cette époque-là. Vous comprenez? À cette époque-là, il y avait une administration, la poste existait. Quand on parle communication, les gens ne pensent même pas à la poste. Quand on parle communication, les gens voient toujours peut-être les cellulaires ou quoi. La communication, c'est bien plus grande que ça. Quand on parle communication, c'est relier aussi les provinces. Comme ça, ça permet à ceux-là qui produisent en province de pouvoir acheminer leurs produits, soit dans la capitale ou ailleurs. Il doit avoir des échanges. Mais ça se faisait à cette époque-là. Voilà plus de 200 ans. C'est une honte. J'ai pensé un exemple pour choquer le Congolais. Pour qu'on arrête de vivre dans le mensonge. Qu'on comprenne que le monde est devenu un petit village. Et tout le monde sait ce qui se passe partout. Alors si nous croyons que nous cherchons seulement à protéger notre Congo à notre manière, avec des Congolais qui croient qu'eux protègent le Congolais alors que nous pillons chaque jour, ça ne marche pas. Mmh. Donc, la grande maladie du Congo, c'est sa classe politique. C'est pour ça que nous nous disons nous devons aller renouveler cette classe politique-là. Et quand je dis renouveler, je voudrais que ça soit clair. Je n'ai pas dit qu'il n'y aura que de nouvelles personnes qui vont venir au pouvoir. Quand je dis renouveler, c'est le renouvellement de pensée, le renouvellement de l'intelligence, façon de parler. Et pour dire que ceux qui ont géré avant, qui ont mal géré, ils peuvent se repentir. Ils peuvent changer. Donc, je n'ai pas dit qu'il n'y aura que de jeunes Congolais qui vont diriger. Non. Ceux qui sont là aussi ont de l'intelligence, ont de l'expérience. Ils peuvent nous apporter des choses. Donc, je ne détruis pas tout en termes d'hommes Congolais parce qu'il y a une certaine expérience et une certaine richesse qui est là. Ils peuvent aussi nous faciliter la tâche. Moi, je parle en termes de changement de mentalité. C'est de cette nouvelle classe politique dont je parle. Donc, les anciens peuvent aussi changer leur mentalité pour qu'ensemble, nous puissions construire une véritable république. Rentrons dans des choses un peu plus concrètes, madame. Comment comptez-vous lutter contre le manque d'emploi en RDC, par exemple ? Dans notre programme de gouvernance, la première chose avant de parler emploi, parler développement, nous disons, mettons d'abord la base. Il faut aller retourner au béaba. Comment voulez-vous parler emploi lorsqu'on n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité, on n'a pas la base, les routes, comme je viens de vous le dire tout à l'heure ? Parce que c'est ça qui va nous aider justement à attirer des investisseurs. Parce que pour que les investisseurs puissent venir chez nous, ils doivent s'assurer qu'il y a une justice. C'est une sécurité pour eux. Donc, pour nous, nous allons commencer par là, à recréer ces infrastructures-là qui ont existé à une époque et qui n'existent quasiment plus. Sur les routes.
Il faut construire les routes. Avec quel argent? Mais je viens de vous donner l'exemple. Non, je vous ai dit tout à l'heure que quand j'étais parti à la Choapa, à travers toute la République, nous avons des engins lourds. Nous avons commencé à faire ces routes-là. Et ce sont des routes en terre battue et ça, tu roules à du 120 km à l'heure. On peut commencer avec ça. Il faut travailler avec les moyens de bord. Il faut travailler avec ce qu'on a. Nous l'avons fait et nous roulons à 120 km à la Choapa. Donc, c'est pour vous dire que c'est faisable. Et ces engins sont à travers la République. Je les ai vus. Je les ai palpés moi-même. Donc, ce n'est pas une aventure que je vous raconte. Donc, nous pouvons le faire avec ce que nous avons. Donc, recommencer d'abord à construire ces routes-là. Et au niveau de je vous ai parlé tout à l'heure qu'il nous faut l'électricité. Comment voulez-vous attirer des industries si vous n'avez pas d'électricité? Nous avons plusieurs énergies renouvelables. Nous avons l'énergie éolienne qui peut être à l'est du pays. Nous avons l'énergie solaire. Nous avons l'hydraulique. Nous avons même la biomasse que nous pouvons utiliser. Donc, c'est pour vous dire que toutes ces énergies-là, selon l'environnement dans lequel on se trouve, nous pouvons le transformer en électricité. Et c'est faisable. C'est une question de bonne foi. C'est une question de volonté. Tout ça ensemble va créer l'emploi. Mais c'est ça la base. Mmh. C'est ça qui fait que, maintenant, les Congolais eux-mêmes, je vous ai dit, à partir de certains... je vous ai dit qu'on faisait tomber certaines institutions déjà qui vont nous aider à aider la jeunesse à venir avec leurs projets et être financés par ce financement-là et à attirer les investisseurs. Moi, j'ai eu à rencontrer plusieurs investisseurs qui sont prêts à venir travailler ici. Et on peut créer plusieurs millions d'emplois. Mais ils sont repartis. Pourquoi? La corruption, les détournements. Nos ministres veulent être achetés. C'est un programme pour tout le monde. Je vous ai dit, la répartition des richesses... Mais justement, cette corruption, on sait, oui. On en parle, mais comment vous comptez mettre fin à ça, madame? Mais la sanction... Comment? La sanction... Chaque fois, tout le monde me pose la question. C'est comme si tous les Congolais oubliaient qu'il y a des lois, il y a des sanctions. Mais punissez, non? Pourquoi on ne punit pas? Pourquoi on vit dans l'impunité? C'est ça le problème. Ce n'est que un problème d'impunité. Parce que si les gens sont punis... Moi, je me rappelle, lorsque Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir, il y a un monsieur de la DGRAD, je crois, je ne sais plus c'était quelle structure, qui avait été corrompu pour 400 000 dollars. Il devait faire passer des containers. Le monsieur a refusé. Parce que quand le président Félix Tshisekedi était rentré de son premier voyage, il avait retourné, ses frais de mission. Il avait retourné ça dans la caisse de l'État. Alors, ça a été un modèle directement pour ces gens-là. Donc, il faut être son propre modèle, le modèle de son discours. Et vous allez faire ça? Mais bien sûr, mais bien sûr. Si quelqu'un déjà... On dit quand on est... quand dans les petites choses, hein, on le fait naturellement, c'est clair que quand on s'est arrivé... Qu'est-ce que vous avez fait dans les petites choses? Je vous ai dit, j'avais un salaire de... Mais qui allait me l'empêcher? Je pouvais passer à 19 000 dollars, mais pourquoi je suis descendu à 5 000? C'est un exemple anodin, mais ça l'est aussi, parce que ça montre que nous devenons nous-mêmes notre propre modèle. Le Congolais a besoin de repères. Le Congolais a besoin de modèles. Maintenant, ils prennent des modèles dans les réseaux sociaux. Mais s'ils ont des dirigeants qui sont des modèles, des dirigeants qui respectent leurs paroles, ne vous en faites pas, ça ira très vite. Alors, autre chose... qu'il y a un problème pour la RDC, vous le savez, madame, c'est la sécurité, notamment avec nos voisins. Et la partie est de la RDC vit depuis plus de 20 ans un calvaire indescriptible. Comment vous, en tant que président de la République, comptez mettre fin à cette histoire de la guerre à l'Est? La guerre à l'Est, c'est une guerre économique. Je crois que nous tous, on le sait. Enfin, tous ces pays qui se cachent derrière les groupes armés pour nous faire la guerre, qu'est-ce qu'ils viennent faire? C'est piller nos richesses. Et après, ils vont les transformer chez eux, ils les vendent à d'autres. Mais posez-vous la question de dire pourquoi ils ne le font pas avec nous. Moi, je trouve que c'est un manque de sérieux. Parce tout que simplement. C'est gratuit. Non, c'est pas que c'est gratuit. Ils l'ont pas gratuitement. Non, ils l'ont pas gratuitement. Vous pouvez pas dire qu'ils l'ont gratuitement. Ils l'achètent là-bas. Mais pas cher. Avec vous, ça va être un deal. C'est ça que j'ai dit. Hein. Mais admettons, gardons cela. Le prix auquel ils achètent ça là-bas, je propose qu'ils achètent la même chose chez nous, mais au moins, ça sera plus de... Il y aura plus le sang qui coule, parce que c'est une honte pour ces gens-là aussi. Ne vous en faites pas. On est là, le monde observe, leur population observe. Continuer à acheter des matières premières de sang, ça payera tôt ou tard. Donc, c'est mieux pour eux de l'acheter chez nous. Vous voulez acheter au même prix. Moi, je veux qu'on cesse de tuer les nôtres. Alors, vous l'achetez chez nous. Ils ont besoin de cette sécurité-là. Ils ont besoin d'avoir des interlocuteurs aussi engagés, des interlocuteurs responsables, des interlocuteurs sérieux. À ce niveau de débat-là, nous devons faire preuve de sérieux. Vous n'êtes pas dans l'optique de faire la guerre aux pays voisins qui... Je ne saurais pas répondre à cette question parce que ça fait des années que cette guerre dure et on ne la gagne pas. Alors, je ne peux pas parler guerre parce que je ne maîtrise pas ce qui se passe. La RDC n'a jamais directement fait la guerre au Rwanda. Je suis en train de vous répondre. Même dire faire la guerre, il ne faut pas qu'on entre dans des grands discours. Je ne saurais pas répondre à cette question. Ne connaissant pas qu'est-ce que nous avons comme armes, ne connaissant pas dans quel état d'esprit sont nos militaires, je ne le sais pas. Donc, je ne vais pas répondre à une réponse politique.
pour l'instant, je réponds que je vais aller vers la diplomatie. Je vais aller vers la diplomatie de proximité parce que je sais que les relations peuvent nous aider à arrêter cette guerre-là. Et comme je vous ai dit tout simplement, il y a un problème, c'est une guerre économique. En attirant ces gens-là chez nous, s'il faut qu'ils achètent au même prix qu'ailleurs, au moins la guerre va cesser. Et tôt ou tard, avec les années, nous allons augmenter ces prix-là. Et d'une manière ou d'une autre, il y aura de l'emploi. Vous voyez ce que je vais dire? Donc, on gagnera d'une certaine manière. Donc, on vendra au même prix pour que la guerre cesse. D'abord, c'est ça qui est important. Je voudrais maintenir les miens en vie. C'est ça qui est une urgence pour moi dans cette guerre à l'Est. Oui, qui dit aussi, tout ce que vous dites, il faudra avoir une armée forte. Et bien sûr. Mais une armée forte, elle se construit. C'est pas sorcier. J'ai parlé d'éducation. Non, j'ai dit que le Congolais est au centre de tout. Mais à tous les niveaux, au niveau de l'armée aussi. Il faut reconstruire cette armée-là. J'ai bien dit qu'il faut reconstruire l'homme congolais. Il a été détruit. Tout a été politisé. N'importe qui devient militaire, n'importe qui devient policier. C'est pas normal. Ça passe par une éducation aussi. Donc, quand je dis qu'on remet l'homme congolais, je parle de l'armée aussi, je parle de la police. Donc, il faut leur permettre de retourner, d'être disciplinés, de leur donner les moyens aussi, un salaire décent. Parce que c'est pas normal qu'on ait des députés qui ont des 21 000 dollars et des ministres 40 000 dollars et que la police a 200 dollars, 300 dollars. C'est pas normal. Il faut tenir compte de cela. Il faut que nos militaires et nos policiers se sentent aussi à l'aise. Ainsi, ils pourront étudier et nous pourrons avoir nos militaires aussi, quelque chose qui est important, je n'ai pas dit pour répondre à une de vos questions, il faut à un moment donné faire le recensement pour savoir qui est congolais, qui ne l'est pas. Tout le monde est congolais aujourd'hui. Toute personne qui est noire est congolais aujourd'hui. C'est pas normal. Donc c'est important de faire ce recensement-là. Ça nous permettrait de savoir qui est congolais. Aujourd'hui, on est dans un désordre, on est dans un flou, et je me pose la question de savoir pourquoi on fait pas ce recensement-là. Pourquoi le Congolais n'a pas de carte de citoyen? Aujourd'hui, la carte d'électeur est devenue la carte de citoyen. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les Congolais vont s'enrôler. Ils vont pas s'enrôler nécessairement pour aller voter, mais c'est pour avoir une carte d'identité. Vous voyez, c'est ridicule. Bon, je vais vous ramener à Kinshasa, qui est le siège des institutions, où si vous êtes élu président de la République, vous allez vivre à Kinshasa. Mais vous avez évolué à l'extérieur. Vous voyez comment les choses se passent, notamment dans la circulation. Vous voyez le problème d'embouteillage à Kinshasa. Je sais qu'à un moment, c'est un problème des gens qui gèrent la ville. Est-ce que vous avez un plan pour finir l'embouteillage à Kinshasa, par exemple? Ça risque d'être audacieux encore, ma proposition. Allez-y. Non, je la garde encore, c'est pas grave. Ça dérange. Qui dit affaire, comme vous dites, qui dit business, dit temps. Mm-hmm. Ça veut dire que si moi, j'ai un rendez-vous, aller à Mongafula pour un rendez-vous de business, je dois être sûr que je peux y arriver en 30 minutes. Si c'est 30 minutes. Si j'ai un rendez-vous à Gombe, je dois être sûr que je vais être là à 10 heures parce que mon rendez-vous il est à 10 heures. Mm-hmm. Je ne vais pas passer 2 heures dans les embouteillages. Mais quelle est la solution que vous pouvez apporter pour que cette affaire d'embouteillage termine? Déjà, à travers le programme que nous apportons pendant notre règne, c'est que nous allons aider les Congolais à retourner aussi en province déjà. Parce qu'il y a l'exode rural. Non, pas les chasser. Il y a eu l'exode rural. Non, ouais. Nous allons les aider à retourner à travers des programmes et des financements pour ceux-là qui vont travailler déjà en province. Ça va leur faciliter la tâche parce que tout le monde vient chercher l'emploi. Tout le monde cherche la vie. Et la vie, tout le monde pense que c'est à Kinshasa. Mais ceci dit, bon, j'ouvrirai une autre porte une autre fois. Mais je pense tout simplement, déjà, les motos. Les motos donnent un coup de pouce à l'État. Donc, chapeau pour les motos, les Wewa. Hein, c'est un métier qui est né à cause de l'absence de l'État au niveau du transport en commun. Oui. C'est déjà à cause de ça. Mais il ne devrait déjà pas, parce que les motos aussi ne nous facilitent pas la tâche pour au moment des embouteillages. Donc, pour moi, déjà, les motos devraient être dans les routes secondaires. Elles ne peuvent pas être dans les routes principales. Nous pouvons utiliser aussi le langage routier. Vous voyez, il y a des chemins qui peuvent être en sens unique, de telle heure à telle heure. Exemple, ce sont des exemples banals et bêtes que je donne comme ça, je n'ai pas réfléchi là-dessus, parce que c'est un gouverneur qui gère Kinshasa, mais c'est un exemple simple que je donne. On peut avoir de telle heure à telle heure, surtout quand on sait que les enfants vont à l'école de 6h à 8h, on est dans un sens unique d'un côté et de l'autre. Ça facilite déjà la tâche parce que tout le monde descend. Si jamais vous prenez les taxibus et consorts, s'ils ont des arrêts à des endroits bien précis et ils dégagent la route, ça va permettre... Mais les arrêts existent, le problème c'est que personne ne les respecte. Pourquoi? Mais parce que les policiers qui sont censés les faire respecter
C'est ce que j'ai dit, non? C'est comme entre la poule et l'œuf qui est né en premier. D'accord, mais comment vous comptez finir le policier? Comment faire en sorte qu'il fasse respecter ça? Je vous ai dit, tout ça c'est la discipline, tout ça c'est l'éducation, c'est la conscientisation, la sensibilisation. Il faut parler au peuple congolais. Le peuple congolais n'est pas con, il n'est pas stupide. Mais quand il voit que tout est dans le désordre, tout le monde roule en sens inverse quand il y a l'embouteillage, eh bien, pourquoi est-ce qu'ils ne le feront pas? Ils font comme leur chef. Il faut comprendre le peuple congolais. Moi je trouve qu'il ne faut pas s'en prendre au peuple congolais. Le peuple congolais a besoin de modèles, il a besoin de repères. Si nous commençons à respecter ces choses-là, ils vont le faire. Parce qu'à partir du moment où les chefs respectent, dis-moi comment les Congolais vont oser faire le contraire. Donc les policiers aussi vont respecter ce qu'on va leur demander, les roulages là. Ils vont faire leur travail, ne vous en faites pas. Moi je pense que c'est un coup de pouce qu'il faut donner. Et dès qu'on donne ce coup de pouce-là, et que le Congolais sente que ceux qui sont en train de nous diriger sont devenus de modèles eux-mêmes, je peux vous rassurer que le peuple congolais va respecter. Et vous avez un programme ambitieux, moi je vous suivais, c'était d'impliquer l'opposition dans le choix des magistrats, dans notre appareil judiciaire. Enfin, j'ai jamais vu ça, mais je dis, waouh, ok. Soyons ouverts d'esprit. Moi, la plupart des choses que je dis, c'est du jamais vu. Donc, la plupart des choses et le pouvoir vont se mettre ensemble. Je peux expliquer. Je vais juste expliquer ma question pour les gens qui nous suivent. Donc, l'opposition et le pouvoir vont se mettre ensemble pour choisir des magistrats. C'est ce qu'elle nous propose. Expliquez-nous ça. Je vous explique d'abord. Dans la démocratie, il y a le partage de pouvoir. On est d'accord? Il y a le pouvoir judiciaire, il y a le pouvoir législatif, il y a le pouvoir exécutif. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, ça pose pas un problème. Ils sont élus par la population. Donc, leur pouvoir vient directement du peuple. On est d'accord? Ok. Donc, c'est ça, c'est facile qu'ils assument pleinement leur pouvoir parce que c'est le peuple qui leur a donné. Le pouvoir exécutif, c'est la même chose. Le président est élu par le peuple congolais. Donc, il a aussi son pouvoir qui est ici. Mais le pouvoir judiciaire, c'est une question que je pose. Vous savez, il ne faut pas rester fermé. Toutes ces lois-là, tous ces discours, tout ce que nous avons appris à l'école, il y a des gens qui ont eu à expérimenter ces choses-là avant de les proposer. C'était la situation qu'ils vivaient à cette époque-là. C'est pour ça qu'il y a eu la séparation de pouvoir. Nous savons ce qui se passe dans notre pays. Le pouvoir judiciaire, je vous pose la question, est mis en place par qui? Par le peuple? Non, c'est par le pouvoir exécutif. Donc, le pouvoir exécutif a une mainmise sur le pouvoir judiciaire. Il contrôle le pouvoir judiciaire, surtout dans un pays comme le nôtre. Donc, quand on emmène des solutions, on tient compte de l'environnement dans lequel on se trouve. On ne peut pas parler de démocratie 100% comme ailleurs. Si eux, ils ont atteint une culture pour comprendre que le pouvoir judiciaire est indépendant, gloire à Dieu, tant mieux. Mais nous, on n'en est pas là. Et donc, c'est un processus. Moi, j'ai proposé que ceux qui nomment le pouvoir judiciaire, c'est le pouvoir exécutif. Donc, ça veut dire que c'est ceux qui règnent, ce sont les politiques. Mais l'opposition aussi, c'est des politiques. J'ai tout simplement dit que dans nos lois, dans le processus de nomination de ce pouvoir judiciaire, que l'opposition puisse avoir un droit de regard, qu'il puisse participer de manière à ce que le pouvoir judiciaire se sente protégé. Qu'ils sachent que ce n'est pas par un coup de fil que je veux répondre parce qu'ils sont au pouvoir, que je vais être obligé de faire ce qu'ils sont en train de me demander. Mais qu'il y a l'opposition qui est là, qui a un droit de regard et qui peut aussi réagir. Alors du coup, ça crée une protection pour le pouvoir judiciaire. C'est une proposition, pas Marius. Pas mal comme proposition. On va revenir à vous, madame, tout à l'heure. Nous allons marquer une pause avec votre chanson de campagne. C'est la candidate numéro 9 au présidentiel de la RDC, mesdames et messieurs. On va marquer une petite pause et puis on se retrouve tout à l'heure. Aujourd'hui, le Congolais est par terre. Et tout ce qui lui reste à faire, c'est de se relever. Et c'est à travers cette vision de la congolisation, qui est une vision salvatrice, que le Congolais peut sortir de toute cette humiliation qu'il a subie depuis que cet État est né jusqu'à aujourd'hui. Il n'a eu que comme modèle ces dirigeants-là, au départ, les dirigeants congolais, aujourd'hui les politiciens. Nous voulons, à travers notre vision de la congolisation, relever le Congolais en étant nous-mêmes ce modèle, en devenant ce repère pour le Congolais, en étant ce leader qui fait comprendre au peuple congolais que ça suffit, l'heure est arrivée, le temps est arrivé pour qu'il y ait un réel changement. Et c'est aux Congolais d'embarquer dans ce combat-là pour que nous puissions passer à une autre république. Pour la renaissance de la RDC, votons tous pour Marie-Josée Ifokoum-Poutin-Ponga, candidate présidente de la République numéro 9. La congolisation est en marche.
Nous sommes de retour, mesdames et messieurs, sur le grand plateau de Marius avec notre invitée, la candidate numéro 9, Marie-Josée Ifoku, avec nous sur ce plateau. Alors, madame, on va finir bientôt, mais il y a autre chose que vous proposez, par exemple, dans votre programme, 50% de femmes dans toutes les institutions de la RDC. Mmh. C'est quand même ambitieux. Est-ce que vous pensez qu'on doit... On doit faire ça parce qu'il faut faire l'égalité entre hommes et femmes ou les choses doivent être faites par rapport à des compétences? C'est ce qui est prévu dans la Constitution. Vous voyez, quand je vous parle de Constitution, des constitutions qui sont faites pour plaire peut-être à la communauté internationale, l'article 14 prévoit la parité, donc 50% de femmes dans toutes les institutions de la gestion de la chose publique. Ce n'est pas Marie-Josée qui le dit. Mais je m'appuie sur cet article-là que je récupère d'ailleurs dans mon acte constitutionnel. Je vais tout simplement la respecter. Donc pour vous, ce n'est pas forcément un problème de compétence. Je sais que... Vous voulez dire qu'il n'y a pas 50% de femmes compétentes dans ce pays? Non, je n'ai pas... Vous oserez dire ça, Marius? Est-ce que ça devrait être ça, le critère homme-femme ou c'est critère compétence? Je parle de la loi. Mmh. Vous m'avez parlé, pourquoi vous critiquez cette constitution-là? Mais c'est ça qui est prévu dans la... Allez lire l'article 14. Je veux savoir ce que vous pensez. Est-ce que ce sera... Mais j'appuie ça naturellement puisque... Pour moi, la prédation, c'est la femme qui va aider à arrêter la prédation. C'est la femme. Parce que quand on parle détournement, quand on parle corruption, vous n'allez pas trouver la femme trop là-dedans. Je n'ai pas dit qu'elle est parfaite, mais c'est sûr que si l'homme le fait à 80%, la femme va le faire à... OK, allons-y, 20%. Mmh. Donc, ça va nous aider à accomplir cette vision-là de la combolisation. Parce que la femme aura peur de détourner comme les hommes le font. Aujourd'hui, il n'y a plus de limite. Hein. On est dans les millions régulièrement. La femme ne va pas le faire. Donc, pour nous, c'est important que la femme puisse entrer justement dans la gestion de la chose publique. Elle va faciliter aussi la protection de nos jeunes filles. On parle harcèlement, on parle d'abus, de violences faites à la femme. Le fait qu'il y ait plusieurs femmes dans la gestion de la chose publique, la jeune fille se sent protégée. Ça lui donne le courage d'aller à l'école. Ça lui donne le courage de s'exprimer. Et donc, la conséquence derrière cette parité-là est vraiment positive pour nos enfants. D'abord, nos filles de manière générale, mais pour nos jeunes enfants aussi. Parce que toute maman voudrait que son fils trouve du travail. Vous voyez? Donc, la participation de la femme dans la gestion de la chose publique ouvre le champ aux Congolais, facilite la chose aux Congolais. Donc, moi, présidente de la République, oui, je vais respecter cet article de la Constitution parce que je l'ai récupéré dans mon acte constitutionnel. Les élections, le 23... décembre, il y a de plus en plus de bruit autour de... Est-ce que ces élections vont avoir lieu? Est-ce que la CENI est prête? En tout cas, jusque-là, la CENI tient mordicus de tenir ces élections. Prenons l'hypothèse que la CENI n'est pas en mesure de tenir ces élections le 20 décembre, madame. Quel serait pour vous le plan? Nous savons qu'il y a quelques jours, au début de cette année, vous aviez proposé une transition avec Félix Tshisekedi à la tête du pouvoir. Seriez-vous prêt à accepter ça si... Le 20 décembre, il n'y a pas élection? Mais clairement, si le 20 décembre, il n'y a pas élection, nous allons vers une transition. Mais la proposition que j'avais faite au mois de mars, parce que moi, je dis toujours que gérer, c'est aussi prévenir. Tout à l'heure, nous avons parlé de loi. J'ai dit que les lois naissent pour répondre à des problèmes. C'est comme ça que les lois naissent. Et j'ai fait cette proposition-là au niveau de la justice, où elles naissent pour prévenir. OK? Mais gérer aussi un État, c'est prévenir. Moi, j'avais déjà vu dans ce qui est en train de se préparer. Déjà, soyons de bonne foi, ne soyons pas toujours de mauvaise foi. La CENI a commencé à travailler avec 28 mois de retard. Donc, on peut dire que félicitations à la CENI pour le travail qu'ils ont abattu jusqu'à aujourd'hui. Mais n'empêche qu'ils ne sont pas prêts. Ils ne peuvent pas être prêts, ce serait un peu miraculeux. Et nous risquons d'aller justement dans des élections pires que celles qu'on a connues en 2018. C'est ainsi que nous avons proposé cela. Mais c'était en mars, quand j'ai dit que le président Félix Tshisekedi reste, parce que chez nous... Chez nous, les mongos, on dit qu'on invoque les esprits en les flattant. C'est une expression de chez nous, quoi. Mais c'est lui qui est au pouvoir. Nous demandons d'aller à une transition. Mais il est encore en place. Comment je vais proposer quelque chose? Je dis non, Félix Tshisekedi ne va être là. Ça, c'est du bruit. Moi, je suis dans le concret. Je suis dans des choses réalisables. C'est ainsi que j'avais proposé. Ben, reste au pouvoir, ouvre la porte, faisons les choses autrement pour préparer justement cette nouvelle République. C'est ce que je propose aujourd'hui dans mon programme de gouvernance. Donc non, je ne veux pas dire aujourd'hui, quand on arrive le 20 décembre, que ce soit Félix Tshisekedi qui reste nécessairement à la tête du pays. Pourquoi pas moi? Puisque c'est moi qui viens avec... Pourquoi pas moi? C'est un exemple que je vous donne, non? Ouais. Moi, je viens déjà avec une telle proposition. Mais qu'est-ce qui a changé? Comment? Parce que ce sera lui qui sera là à la tête et... Non, quand je l'ai proposé au mois de mars, juste après, une semaine après, il a fait un gouvernement, donc ils n'ont pas voulu de cette proposition-là. Mmh. Mais là, quand on arrive, vous nous avez rassuré que les élections auront lieu le 20 décembre.
vous avez failli. Donc les élections n'ont pas eu lieu. Or, si on avait écouté la proposition d'une femme avertie, d'une femme qui sait gérer, on se serait arrêté à ce moment-là et on aurait pu faire les choses autrement. Mais on n'a pas écouté. Donc, comment moi je vais décider que c'est Félix Tshisekedi qui va rester au pouvoir? Je ne saurais pas le faire. Aujourd'hui, moi-même, je suis porteuse de ce message-là, porteuse de cette vision-là. Pourquoi pas? Donc, c'est ainsi que, pour moi, on devrait se rasseoir. Et c'est dommage, oui. Et ce serait quoi le plan que vous proposeriez si cela arrivait? Le plan, mon programme de gouvernance. On rase tout. Mais prenons le courage à deux mains. Ça veut dire quoi? Qu'on n'est pas prêt. Ça veut dire quoi? Que les institutions ne fonctionnent pas en réalité. On est dans du débrouillage. Moi, je parle dans du rafistolage. C'est ça que je dis. L'État ne tient plus. En réalité, la Constitution, elle est quasiment... pour moi, c'est un mort-né, quoi, cette Constitution-là. Donc, en réalité, il n'y a plus de fondation. Ayons le courage, nous-mêmes, avant que les autres ne le fassent, parce qu'il faut que les Congolais comprennent que nous sommes un pays d'enjeu de sécurité au niveau international. Et que, moi d'ailleurs, je propose, moi, président de la République, je vais me battre pour que nous nous asseyons, au Conseil de sécurité des Nations Unies. Parce que nous avons les richesses qui peuvent détruire la planète. Donc c'est important que le Congo s'assoie là dans les débats. C'est important. Ça, c'est moi qui veux proposer ça. Donc c'est juste pour vous dire que ça va pas. Reconnaissons, ça ne va pas. Ça sert à rien de nous entretuer, de voir nos enfants mourir dans des batailles des politiciens. C'est ridicule. Et ma proposition, elle est saine. Au lieu d'un coup d'État, faisons-le nous-mêmes ensemble. On dit, OK, on reconnaît que ça ne va pas. Faisons tomber cette RDC telle qu'elle est là, donc en parlant de la Constitution. Allons-y avec des institutions importantes pour cette urgence-là, travaillons avec ces institutions-là et préparons des élections crédibles et transparentes pendant 3 ans, par exemple, pour faire ce travail-là. Pour moi, c'est faisable. C'est une question de bonne foi. Le gouvernement, les gens se partagent encore des postes, des responsabilités. C'est pour ça que j'ai dit que, selon moi, il faudrait que ceux qui acceptent d'entrer dans ce gouvernement-là, dans cette gestion-là, puissent se préparer à ne pas aller aux élections, aux prochaines élections. Ils pourront y retourner. Je dirais 5 ans plus tard. Mmh. Donc, ce serait ma proposition pour éviter justement qu'il y ait le partage du gâteau. Alors, compte tenu de ce qui se passe aujourd'hui, vous y croyez encore les élections le 20 décembre? Ben, en fait, j'ai du mal, je dois être sincère avec vous. Hein. Je suis un peu dépassé par rapport à ce que je suis en train de voir. J'ai du mal à y croire. Le 13 novembre, nous étions avec la CENI. La CENI elle-même nous a dit qu'elle n'avait pas assez de fonds. Il n'y a pas longtemps, on vient de lui donner 130 millions, alors qu'on lui doit 300 millions et plus. Mais 130 millions, on est à 2-3 semaines des élections. Est-ce que ça va lui permettre de rapatrier tout le matériel dont ils ont besoin? Et une fois arrivés à Kinshasa, est-ce qu'ils ont la capacité ou les moyens ou la logistique pour pouvoir acheminer cela, déployer ça dans toute la République? Soyons quand même responsables à un moment donné. Est-ce possible? Je ne pense pas. Alors de quelle élection s'agira-t-il concrètement? Donc, nous nous sommes levés, vous allez me poser la question peut-être, mais madame, alors pourquoi vous avez été candidate? C'est peut-être ça qui peut suivre. Oui, oui. Voilà. Ben, c'est pour justement exprimer vous avez, tout. Vous avez lu dans mes pensées. Ouais. Oui, voilà, exactement. Les grands esprits, quand les grands esprits se rencontrent. Non, c'est pour ça que j'ai dit non, je ne peux pas taire la vision que j'ai, elle est salvatrice. Il faut juste que les égos se calment un peu et qu'on comprenne qu'aujourd'hui, on n'est plus dans l'urgence qu'un groupe se retrouve. On est dans l'urgence qu'un peuple se retrouve, qu'un peuple renaisse de ses cendres. On est déjà par terre, mais on est potentiellement toujours riche. On a tout ce qu'il faut pour redevenir le grand Congo. Alors faisons-le, osons justement détruire cette RDC dignement, enterrons-la et donnons naissance à une nouvelle république à travers une transition, pas le partage de gâteaux, parce que je suis contre ce qui s'est passé lorsque nous sommes nés et indépendants du Congo, c'était le partage de l'Afrique. C'est pour ça que je vous ai dit oui, 3 ans de gestion, mais sans ceux-là qui vont retourner aux élections 3 ans plus tard. Comme ça va faciliter la tâche. Alors, l'opposition, on va finir là. Enfin, si jamais ces élections ont lieu, maintenant c'est au mois de décembre, l'opposition voulait avoir un candidat unique. Est-ce que vous êtes dans la logique de céder votre siège ou votre poste ou accompagner une candidature unique de l'opposition? Pourquoi vous posez la question dans un sens? Vous pourrez dire aussi que... Parce que c'est moi qui la pose, alors... Mais ils peuvent me rejoindre aussi. Mais peut-être c'est ça que vous pouvez proposer. Oui, voilà, ils peuvent aussi me rejoindre, puisque nous avons quand même une vision, je vous ai dit, salvatrice, qui peut nous faciliter la tâche. Ils peuvent me rejoindre. Mais oui, je suis dans cet état d'esprit-là. Je trouve que c'est normal. C'est compliqué, c'est très difficile. Nous sommes un pays continent. Et donc, c'est pas facile de battre campagne à travers toute la République. Je vous ai parlé de moyens logistiques. C'est difficile d'atteindre tous les coins de la République seul. Ça demande beaucoup de moyens et clairement, oui, il faut se mettre ensemble. Il faut qu'il y ait un candidat de l'opposition et ça peut faciliter la tâche pour pouvoir gagner ces élections-là.
Oui, j'ai dit que c'est une bonne idée, mais je pense que c'est important aussi que d'autres candidats reconnaissent les autres. Nous tous, nous avons payé la même caution. Et nous tous aussi, nous avons une vision. Je pense que si on s'est levé pour aller déposer notre candidature, c'est que quelque part, chacun a une vision. Donc, c'est important qu'on partage aussi cette vision-là et que ça devienne une vision. Et ainsi, on pourra aller battre campagne ensemble. Je rappelle que vous êtes la candidate numéro 9 aux prochaines élections présidentielles. On va finir avec vous aujourd'hui, mais j'aimerais vous laisser la caméra du Grand Plateau de Marius pour parler à tous les Congolais qui, ce soir, vous ont suivi pour les convaincre de voter pour vous. Marie-Josée Ifoku, le chiffre 9, le chiffre de la renaissance, le chiffre qui donne naissance, qui donne la vie au peuple congolais. Voter Marie-Josée Ifoku, c'est voter vous-même pour une agriculture mécanique qui va faciliter la tâche à toutes ces mamans maraîchères. Bien sûr, il y a aussi des papas qui le font aussi. Nous allons pouvoir les aider à vous aider à changer votre vie. Voter Marie-Josée Ifoku, c'est permettre à nos enfants d'aller à l'école. C'est un droit, c'est un devoir. Nous devons le respecter tous, ainsi que ceux qui sont marginalisés. Nous les avons pris en compte dans notre programme. Voter Marie-Josée Ifoku, c'est permettre au peuple congolais de manger à sa faim. Voter Marie-Josée Ifoku, c'est préparer une nouvelle république à travers des institutions qui tiennent compte de qui nous sommes, enfin d'où nous venons, qui nous sommes devenus aujourd'hui et où nous voulons aller. Voter Marie-Josée Ifoku, c'est redonner la dignité au peuple congolais. Je vous remercie. Le chiffre 9, c'est le chiffre de la renaissance. Merci. Merci à vous, madame, d'avoir accepté de répondre à notre invitation sur ce grand plateau de Marius. Je vous souhaite bonne chance. Vous êtes une inspiration pour beaucoup de jeunes filles, des femmes, des jeunes filles, notamment mes deux filles, Amina et Maïla, qui me regardent, qui se retrouvent en vous, qui peut-être demain peuvent aussi, grâce à vous, rêver de postuler pour devenir présidente de la RDC. On vous souhaite bonne chance, madame. Merci sincèrement. Rien que cela, je sais que je n'ai pas mené un combat en vain. Ça me rassure qu'il y a la relève qui est là. Vos filles, merci à elles. Un coucou à elles aussi. Merci beaucoup. Merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission, Le Grand Plateau de Marius. J'espère vous retrouver très bientôt avec un autre invité. Ce sera avec un grand plaisir. Sinon, je vous invite à vous abonner très nombreux. C'est la seule chose que je peux vous demander vraiment, très sincèrement, avec mon cœur. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Marius Murunga Media et aimez notre page Facebook Marius Murunga. Cela nous fera énormément plaisir et merci d'avance pour cela. Merci encore et à très bientôt, madame. Bonne chance. Merci, sincèrement. Merci, cher Marius.